bien bonjour à tous, les amis, c'est le Jumper, le dieu. Oh, le dieu, ouais, ça fait peut-être un peu trop prétentieux comme ça. Aujourd'hui, les amis, il est grand temps de juger, c'est l'heure du jugement. Nous allons aujourd'hui, les amis, devoir choisir, bien sûr, quel sera le destin, bien entendu, de plusieurs personnes à choisir. Est-ce que ils iront au paradis vers la lumière ou en enfer? Et là, je peux te dire que là, c'est pas la même température. Bah, mon pote, vous étiez tellement nombreux et nombreuses de me demander d'essayer que j'étais bien sûr obligé de le tester. C'est Judgment Day. Alors, choisis ton personnage. Bah, je vais prendre Angel, bien sûr. Oh, ah oui, d'accord, en fait, oui, c'est moi, donc je suis un ange, très bien. J'ai une tête, j'ai vraiment une tête de psychopathe, hein, par contre. Très bien. Ok, bon, alors, donc vous allez pouvoir juger, justement. Oh, attends, mais c'est. Ah, c'est le. Ok, très bien, donc c'est le personnage qu'on va devoir juger. Bon, alors, grand-père, qu'est-ce que t'as fait de mal? Alors, ce grand-père vivait dans un manoir où des jeunes femmes partageaient son train de vie de fou. Bah, écoute, s'il a l'air heureux, bon, il a peut-être. au niveau de la mâchoire, bon, il a l'air un peu taré, tu vois. Bon, écoute, il a l'air heureux, on va l'envoyer au paradis, voilà, très bien. Ok, ah! Mais il a été arrêté pour imprimer et vendu des magazines osés. Ah, ça par contre, ce trafic... Non mais il y a vraiment le sourire du Joker, quoi. Direct sur l'enfer, mon gars. Oh, et très bien, du coup, à la fin, en fait, il y a un nombre de points. Donc en gros, là, il a 13 points pour aller en enfer et 10 au paradis. Oh bah là... Ah, attends, donc c'est les flammes de l'enfer. Ou alors... Vers la lumière que tu iras, grand-père. Écoute, allez, vas-y, il a le droit d'aller au paradis quand même. Voilà, grand-père, là, je t'ai fait une fleur, là, on peut le dire. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est mon paradis! Excellent! Alors, donc, j'ai pas mal d'anges, très bien. Donc, ah! C'est vrai qu'il a quand même plus une tête alors d'enfer. Et là, du coup, oh, donc je vais avoir une nouvelle personne, bien sûr. C'est ça, hein, donc, bien sûr, juger. On peut dire ça. En fait, je suis le juge. Le juge du futur, quoi. C'est vraiment ça. Oh, c'est un flic! Le flic a capturé de nombreux criminels. Bah, écoute, c'est bien, alors regardez, je peux juger le nombre de points. Genre, est-ce qu'il mérite vraiment 10 points le paradis ou 5? Bah écoute, je suis assez sceptique, hein, parce que bon, là ça reste des animaux quand même, hein. On sait pas si c'est du vrai ou pas, tu vois. Voilà, alors ensuite, il obtenait des confessions des suspects sous la torture. Quoi? Il est torturé? Ça c'est moi-même, monsieur, les animaux, moi je connais l'espérant, tout ça. Donc ça c'est 10 en enfer. Et il a été démasqué, il a perdu son travail avant de former un gang. Ah ouais, ok, donc lui il est... Ouais, bah non, il a sombré là, totalement. Et il a fini en prison, où il a également formé un gang. Ah bah alors là c'est 10 aussi là. Même monsieur le policier, autant vous avez bien commencé. Mais direction l'enfer. Et voilà mon gars. Écoute, je peux noter plus tard. Voilà, j'ai mis 3 étoiles, très bien. Bon, du coup, donc en haut on récupère du coup des auréoles, très bien. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah, c'est mon enfer. Excellent. Très bien, et là du coup on a le paradis. Bon, du coup on va retourner, bien sûr. Et bah écoute, avec ah, oh. Donc ce monsieur a dressé des corbeaux pour monter un gang. Ok, eh ben écoute, bon ça c'est moyen ça. Eh ça c'est moyen le vol mon gars. Il a servi des produits périmés à ses invités. Alors là mon gars, merci à l'intoxication alimentaire. Il adorait marcher dans le ciment frais. Bon ça j'avoue c'est marrant, allez plus 7. Et ça nous fait attention, un score de 11 points pour aller en enfer contre 7 au paradis, voilà. Mais je l'ai envoyé en enfer quand même, tu vois, c'est le faux espoir. Ça je mérite 10 points en enfer pour ça. Ouh, niveau supérieur, nouvel ange débloqué. Oh excellent. Est-ce que je peux la voir? Ah non, c'est 500 auréoles, très bien. Bon, on dirait les anneaux de Sonic d'ailleurs. Oh! Mais attends, mais c'est Spartien! Enfin, c'est Comment dire, c'est Leonidas là, c'est Spartiate là, c'est 300! Et on a. D'accord, là c'est Tom et Jerry, très bien, on a la souris, ok. Donc on a Jerry, ok. Allez, vous savez quoi les amis, on va prendre du coup Jerry! Alors attends, où est-ce que je vais l'amener? Alors, je vais l'amener en enfer ou au paradis? Oh mais les deux, ils méritent d'aller au paradis quand même! Bon, allez, vas-y Jerry. Non, ah, désolé Leonidas! Oh, on a Amy Winehouse, c'est Attends, mais c'est Freddy, ça? Alors, toi, je crois que tu as fait... Je suis désolé, mais... Regarde comment ça va. Non! Je veux pas y aller! Ouais, mais tu as fait tellement de mauvaises choses sur la fin! C'était pas bon! Alors, attention, on a Oh, Naruto direct, toi! Bah ouais, mon gars! Ok! Alors, est-ce que je... Oui, c'est vrai que j'ai pas le droit au bonus, tu vois. On a 300 auréoles! Yes! Oh, petit rideau rouge. Et l'ouverture, et c'est... Oh, mais c'est l'autre, là! Alors, attends. Ah d'accord. Bon, bah, très bien. J'ai pas eu le droit de la juger. Ok. Bonjour, monsieur. Je suis du coup le juge. Vous avez le droit entre paradis et enfer. Mais vous avez pas vraiment le droit parce qu'en fait, c'est moi qui vais choisir votre place. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez pu faire. Alors, il se prépare pour une apocalypse zombie imminente. Bah, écoute, normal, hein, je vais te dire. Moi, demain, il y a des zombards qui arrivent à ma porte. Direct que je me prépare. Donc, ça, c'est bien. On va mettre un petit 8. Pense que la terre est plate. Ah! Alors, j'ai aucun jugement là-dessus parce que moi, avec Solar Smash, j'en ai vu des terres plates. Hein, donc, on peut mettre juste le milieu. Bon, on va mettre un petit 1 rouge étant donné que bon, c'est quand même faux. Hein. Tu vois, mais bon. À déscolariser ses enfants. Ah! Bah, c'est son choix, j'ai envie de tenir, même si bon.
Allez, vas-y, on va mettre les deux. Oh, et du coup, il mérite. Paradis. Du coup, bienvenue au paradis, l'ami. Ok, niveau 6 terminé, c'est ça que c'est bon. Alors, du coup, on va voir. Alors, du coup, si je joue au paradis, attends. Oh, on peut le voir, effectivement, qu'il est là. À côté du vieux. Le crouton, mon gars. Ok, donc là, on retourne directement ici. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oh, d'accord, on le voit même plus, tu sais. C'est l'homme invisible, en fait. Mettez le lait dans son bol avant les céréales. Ah, on voit, c'est exactement ce que je fais. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt lait avant ou lait après? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, justement. Donc, du coup, alors, je pense que moi, je vais mettre, allez, un petit 7. Un petit 6, ça me va. Alors, respectez toutes les cultures. Bah, écoute, c'est très bien, ça, normal. 10, ça, mon gars, a créé une boîte de jeux pour faire plaisir à ses enfants. Mais ça aussi, c'est 10. Mais monsieur, vous êtes parfait. Vous méritez d'aller au paradis. Alors, envoie les humains au ciel, les autres iront en enfer. On a Michael Jackson. Alors, il y a Thanos et il y a Pinocchio. J'ai l'impression que c'est Pinocchio. Ah, c'est ça. Donc, envoie les humains au ciel, les autres iront en enfer. Oh, Michael Jackson, mon gars, direct. Alors, par contre, Pinocchio, ok, c'est pas vraiment un humain, donc... Désolé, lui, c'en est un, et lui... Non, alors là, Thanos, mon gars, non. Oh, j'ai débloqué un nouvel ange. C'est une... licorne. Ouais, donc c'est ça, c'était bien une licorne ange, tout va bien, écoute, pourquoi pas. Alors du coup, attention, on a une nouvelle personne. Justement, jugée, donc, c'est une dame, très bien, enfin une fille. Alors, a épousé un vieil homme très riche qu'elle n'aimait pas. Ah, ça va là, oh, ça c'est pas bon ça. A eu de nombreux amants, alors là encore moins. Et avec l'argent de son mari, elle a créé une fondation pour les femmes et enfants victimes d'abus. Ah, ça c'est pas mal ça. Eh mais ça reste quand même allez, tout le monde a le droit à une seconde chance, allez, très bien. Du coup, niveau 9 terminé, voilà. Attends, on amasse personne là au paradis et en enfer, j'imagine. Oh, le rideau rouge, attention, qui est derrière? Oh, le joueur de basket. Oh là là. Donc on n'est pas forcément obligé de le juger. Mais attends, vous êtes pas déjà passé vous tout à l'heure? On a Michael Jackson derrière en haut à droite là. Alors il connaît cornet. Ah, il cornait les pages des livres au lieu d'utiliser un marque-page. Alors ça c'est moche, tu vois. Ça j'aime pas trop, tu vois. Ne remettez jamais en place son caddie. Oui, parce qu'il abîmait les livres du coup. Alors ça, monsieur, c'est moins 10. C'est l'enfer. Il mettait toujours 3 plombes à commander au resto. Je déteste ce genre de personne, c'est ça. Mec, tu fais déjà une heure de queue dans la file d'attente. C'est pas pour arriver au comptoir et faire je sais pas. Ça c'est 10 en enfer. Ça, c'est l'enfer direct. Voilà, encore une bonne journée de fête. Voilà, attention, et on récupère encore une fois de plus. Yes, des oreilles. Alors du coup, est-ce que je peux changer d'ange? Ça aurait pu être stylé quand même, non? Parce que là, peut-être c'est le spécial level. Alors là, du coup, je vous rappelle qu'on a bien sûr, regardez. Oh, je peux débloquer une nouvelle zone du coup pour mon paradis. Yes! Oh, excellent! Et du coup, c'est genre en enfer. Du coup, donc là, voilà, comme ça ensuite. Une nouvelle zone, très bien. J'aurai un peu plus de monde comme ça, voilà, très bien. Du coup, direction, alors, oh! On a Staline, très bien. On a King Jung, ok, très bien. Remets ses âmes dans leur corps. Ok, bah il est là, voilà. Et on assure Staline qui est ici. Très bien! Voilà! Et du coup, alors, nous avons maintenant une dame à lunettes. Bonjour madame. Alors, elle ne rendait jamais les livres qu'elle empruntait. Alors, ça, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Gollum. Alors, ça c'est moche. Ça, c'est moche! Alors, attention, elle pétait dès qu'elle était seule. Bon, écoute, ça arrive à tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Et dans les restaurants asiatiques, elle demandait toujours une fourchette. Ah! Alors, une fourchette avec des makis, qui est japonais d'ailleurs, hein, pour info. Ça c'est moins 10. D'ailleurs, je pense qu'on va tout de suite mettre à chaque fois 10 ou 10. Tu vois? Ça va être plus simple. Donc, du coup, ça, madame! C'est l'enfer! Alors, nous avons du coup une nouvelle victime. Je veux dire, une nouvelle personne qui est présente. Alors, du coup, il faisait pipi dans la piscine. Bon, on l'a peut-être un peu tous fait, on va pas se mentir, mais bon, directement à l'enfer! Alors, quand il partait en vacances, il prenait ses plantes avec lui. Écoute, j'ai rien contre ça, moi, en vrai. Hein. Moi, ça me va totalement. Attention! Il a 20 et 10! Alors, du coup, pour vous, monsieur, ça sera bien entendu le. On est déjà du coup à 300 auréoles, attention, levé de rideau, et on a Michael Jackson. Oh, attends, bonjour, je m'appelle Duke Armstrong, j'étais entrepreneur et je dirigeais ma propre entreprise. Alors, je vous rappelle qu'on a un détecteur de mensonges. Alors là, apparemment, donc ça a l'air d'être ultra faux, là. Là, vous êtes dans le mal, c'est faux. Pas de réponse, bon d'accord, j'étais au chômage. Alors, j'ai vu un jeune homme voler le sac d'une vieille dame. Apparemment, donc il est dans le vrai, bonne réponse. Je suis immédiatement intervenu pour l'arrêter. Oui, parce que j'ai débloqué un détecteur de mensonges, parce que j'ai plutôt bien géré apparemment les gens à choisir aller au paradis ou en enfer. Intervenu pour l'arrêter. C'est faux. Bonne réponse. Oui, bon, peut-être que j'ai d'abord attendu de voir ce qui allait se passer. Je n'ai écouté que mon courage et j'ai plaqué le voleur au sol. Monsieur, vous avez l'air d'être une victime, là, clairement. Je ne pense pas que vous avez le courage pour ça. C'est faux.
Bon, d'accord, j'ai été terrorisé. C'est seulement quand la vieille est tombée à terre que j'avais pas le temps de dire le reste. J'ai empêché le voleur de s'enfuir en attendant la police. Oh, je dis que c'est vrai. Bonne réponse. J'ai rendu son sac à la vieille dame immédiatement. Je ne l'ai pas ouvert. C'est faux, ça. D'accord. Bon, j'ai pris 20 balles dans son sac pour remercier. Le mec, c'est un génie. Le mec, il sauve la vieille dame et il s'auto-récompense en fouillant dans son sac et en lui prenant 20 euros. 20 balles, mais non, mais le mec, c'est un génie. Et il mérite d'aller au paradis pour ça, franchement. C'est pas bien, mais c'est drôle. Voilà, et du coup, comme ça, vous avez vu, donc mon lie détecteur des mensonges, je fonctionne de mieux en mieux. Du coup, je pense que c'est un peu un niveau bonus, ce truc. Ok, donc jour 16 terminé. Alors, bonjour madame, vous êtes juge, non? Alors, ah bah tiens, regarde, elle était sûre. Alors toutes ces décisions ont été approuvées par la Cour suprême. Bah écoute, tant mieux, c'est ce qui a fait bien son boulot. Elle a refusé systématiquement tous les pots de vin. Très bien madame, c'est bien ça. Mais elle a trompé son mari. Ah, ah là, c'est du rouge, hein. On va voir ce que vont donner les autres questions, tu vois. Enfin, les autres affirmations. Alors laissez-le couler pendant qu'elle se brossait les dents. C'est moins bien ça, c'est pas bon ça. Oh, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Quelqu'un veut choisir ma place? Tu vois, ça serait bien, ça. Le vote du public, tu vois. Bon, on va dire. Bon, est-ce qu'elle mérite, du coup, la lumière? Ou les enfers? Bon, j'ai déjà donné une seconde chance à une autre personne. Du coup, c'est les enfers. Ah. Le mec qui juge comme ça, sans respect. Alors, on a une nouvelle personne, donc. Sa passion, c'est de spoiler les séries du moment pour les autres. Oh, c'est tellement horrible. Je déteste ce genre de personne qui spoil les fins, tu vois. Tu sais, tu fais la queue. Tu vois, avant de rentrer dans ta salle et entre deux, tu croises, tu sais, la salle de cinéma, tu croises les autres personnes qui ont vu le film, tu sais, en mode, eh, en fait, lui, il est mort. Mec, les pop-corn, tu veux les bouffer par le nez ou ça va se passer comment? Ok, très bien, bon. Du coup, bah, ça, c'est mort. C'est les enfers. Passer son temps à faire des régimes et à ne pas les tenir. Bon, ça, je peux comprendre. Les régimes, c'est très dur, hein, mais c'est pas grave. On va pas l'amener en enfer pour ça. Elle écrivait les numéros de téléphone de ses amis sur les murs de toilette. Vu la tête, je suis désolé, mais ça, c'est les enfers direct. Et madame, vous avez gagné le droit de partir à un séjour en enfer. Oh, niveau supérieur débloqué, un nouvel ange débloqué, la citrouille. Ok, niveau 18, terminé. Ensuite, tu ne veux pas sauver qu'une personne. Ah, oh, bah, on va sauver elle, elle est cool, elle, j'aime bien la faire. Ensuite, là, qui? Oh, le vieux, allez, quand même, allez, voilà. Très bien. Ensuite, oh, bah, toi, directement, voilà, impeccable. Très bien, niveau 19, terminé. Ensuite, donc, j'imagine qu'on aura une nouvelle personne. Oh, le rideau, nouvelle star. Attention, et c'est Naruto! Yes! Oh, bienvenue! Bonjour les gars, ça va? Ok, donc, il faisait semblant d'être myope parce qu'il trouvait ça plus cool. Il se trouvait plus cool avec. Bah écoute, il a le droit, j'ai envie de te dire. T'as le droit de porter les lunettes sans être myope. Voilà, donc c'est bon, paradis. Manger de gros burgers gras, mais avec une boisson light. Bah ouais, je valide. Écoute, adorer frapper les gens. Ah ça! Ça c'est moche! Et attention! Bon, il y a quand même 20 points dans paradis, 10 points d'enfer, et c'est le paradis! Allez, est-ce qu'on irait pas voir justement un petit peu comment se comporte notre paradis, notre enfer? Alors, attendez donc. Ah! Mais bonjour, je m'appelle Jack Lane, j'étais instituteur. C'est faux, monsieur. Pas de bonne réponse. Ah, d'accord, j'étais chercheur. Je faisais des tests sur des volontaires. C'est vrai! L'un de cobayes s'est suicidé. C'est faux? Ok, oui, bon, il est mort pendant une expérience. Ah ça c'est pas bon monsieur, c'est pas bon. Mais je suis pour rien. C'est faux. Il peut se passer des tas de choses pendant une expérience. Sa famille a été indemnisée. Ah ça c'est bien ça, c'est vrai. Mes calculs étaient pourtant parfaits, mais il n'aurait jamais dû mourir. Ah c'est faux. Comme quoi ils étaient pas parfaits. Ouais, c'était de ma faute, je me suis trompé dans mes calculs. Eh ben monsieur, vous avez fait en sorte de faire des expériences. Ça c'est bien pour peut-être pour la science, mais par contre vous avez fait perdre une vie à une personne. C'est l'enfer. Alors comment se comporte un petit peu au paradis là? On va débloquer du coup des nouvelles. Ah non, on peut pas, faut regarder absolument une pub. C'est sympa ça. Bon alors du coup là. Hey, j'ai pas le temps de choisir. Alors est-ce qu'on on sauve, enfin on amène au paradis du coup le schtroumpf, le papa schtroumpf, le grand schtroumpf, ou alors Thanos? Ah bah alors là mon gars, Thanos c'est direct l'enfer, je te le dis. Oh mais attendez, mais c'est Walter White de Breaking Bad là. Oh énorme. Alors du coup, qu'est-ce que je fais ici? Je suis un simple professeur de chimie. Nous sommes au courant pour votre double vie. Mais vous vendez également de la drogue, non? Oui, c'est exactement ça. Ah 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 ah! Dommage que je regarde les séries en ce moment, mon gars. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je possède également une station de lavage, c'est tout. Vous avez tué vos concurrents, votre partenaire a tout avoué. Vos partenaires a tout avoué! Voilà, il panique! Il panique! Alors foiré! Il avait ça pour se débarrasser de moi! J'ai rien d'autre à ajouter! Nous avons trouvé de l'argent sale que vous avez enterré. Vous n'avez rien à dire sur Fong Ring? Ah, ne spoilez pas! Me spoilez pas! Il est en panique! Il va faire un arrêt cardiaque! Ah, j'aurais dû faire un trou plus profond! J'ai aussi cet argent en héritage! Ah ouais, vous avez été pris la main dans le sac! Vous avez trouvé vos empreintes sur les sacs de drogue et sur des armes!
Oh là là! Oh la panique! Mais si, j'ai fait ça, tout ça pour... Oh! Ouais, mais il a fait ça pour sa famille, donc il mérite quand même d'aller au... En plus, vraiment, la série est géniale. Il mérite le paradis! Attention! Nouveau rideau, arrête! C'est Blanche-Neige. J'allais dire Cendrillon, oui. On a Blanche-Neige! Ok, Blanche-Neige, très bien. Bah écoute, on va devoir juger Blanche-Neige. Oh non! On va juger Pinocchio! Mais non! On va juger Pinocchio! T'es bien? Ok, bon, alors... Donc... Il est mythomane. J'avais cru voir ce mot lié à Pinocchio. Pinocchio le mythomane. Bah ouais, mais il est tellement cool, Pinocchio. Tu vois, il mérite quand même là, les 10. Il a torturé la créature qui avait avalé son père. Mais franchement, ils ont vu le film et le dessin animé. Il a été cool en vrai, hein. Donc il mérite que le paradis a soudoyé une fée pour devenir humain. Bon, là c'est moins bien. Là, ça, je m'en souviens pas du tout. J'ai pas dû regarder les mêmes dessins animés, c'est pas possible. Après être devenu un vrai petit garçon, il a pris soin de son père malade. Oh, ça c'est beau ça! Pinocchio, tu mérites le paradis! Et c'est un niveau 26 terminé! Ok, attention! Donc, est-ce qu'on va devoir choisir. Ah, bonjour madame! Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ne ramassez jamais les crottes de son chien. Alors, ça, c'est l'enfer, direct. Marcher sur la piste cyclable. Alors là, ça aussi, c'est l'enfer. Allez, la préférée tous les jours, petit détesteur. Oh, ça va, ça mérite pas l'enfer. Arrête de passer devant moi, toi, avec tes trucs de mine, là. Ça mérite pas forcément l'enfer, hein. Ça, c'est le paradis, quand même. Mais bon! Est-ce qu'elle mérite. Bon, elle a pas fait des choses extrêmement. Oh, si, l'enfer. Ouais, je suis un peu direct, j'avoue. Écoute, mais bon, il y a des jours avec et des jours sans, hein. Cette phrase qui veut rien dire d'ailleurs. Donc, elle s'incrustait dans les fêtes d'anniversaire pour manger du gâteau. Au moins elle a pris son masque, c'est bien. Ça c'est pas bon, ça c'est l'enfer. Voler les serviettes des chambres d'hôtel. Oh là, ça c'est l'enfer aussi également. Écrivez des cochonneries sur la voiture de ses voisins. Bon, ça j'ai déjà fait, hein. Moi j'écrivais sale, hein, tu vois, en général. Ou abonnez-vous, tu vois. Non, c'est con. Ça passe encore, voilà. Bon, écoute, j'ai envie de dire. On a le droit à une seconde chance. Voilà. Alors, attention, nous avons un quiz. Donc choisis qui ira en enfer. A condamné sa belle-mère à danser avec des souliers de fer chauffés au rouge jusqu'à ce que mort s'en suive. A libéré tous les animaux du zoo, mais a tué tous les soigneurs. Alors elle a libéré quand même. Elle a fait quand même une bonne action avec une mauvaise action. Tu vois, alors que elle, c'était vraiment 100% mauvaise action. Donc je veux dire, elle ira en enfer. Du coup, c'est l'enfer directement. Ok, très bien. Donc du coup, alors, niveau 29 terminé. On a maintenant, attention, un rideau. Mais qui va être derrière? Ça va être Mickey, c'est ça? Ah! Bonjour madame, comment allez-vous? Oh, bonjour. Alors, elle a fait sa demande en mariage avec une bague en toque. Oh, c'est quand même l'attention qui compte. Voyons, regarde cette tête là. Merde! Bon, allez, il y avait quand même une bonne action de fait. C'est peut-être qu'il avait pas les moyens, attends. Donc le paradis quand même. Utiliser son drone pour exposer ses voisins. Ah! Ça, c'est moins bien, ça, par contre, tu vois. N'arroser jamais les plantes que sa mère lui offrait. Ça, c'est moins bien! Bon, même si, les plantes, c'est chaud à entretenir. Moi, j'en ai au moins une cinquantaine. Tout le monde te dit, mais attends, mais Furious, tu aimes le jardinier? Non, elles sont toutes en plastique, voilà. Bon, ça sera quand même! Allez, le paradis! Alors, lui, par contre, donc, il passait son temps à déclamer des poèmes. On dirait Benzaï. Allez, pourquoi pas? Ça, c'est bien, ça, le paradis. Non, on dirait vraiment Benzaï. Changer la position des pièces sur l'échiquier quand son adversaire ne regardait pas. Ça, c'est moins bien, ça. Ça, c'est l'enfer, ça. Prenez les photos des gens en secret. Bon, ça va, ça passe. Allez, il mérite le paradis. Encore une bonne journée terminée. Niveau 32 terminé, attention. Du coup, donc là, envoie les cheveux bruns au ciel. Les cheveux blonds iront en enfer. Les cheveux bruns au ciel, d'accord. Donc, ok, bah, donc Staline, il y va. Voilà, elle aussi. Et les deux autres, et hop, en enfer. Allez, t'y vas aussi, toi. Voilà. Les mecs, les blonds, quand même demandé, quoi. Ok, donc suivant, attention, les blonds qui étaient... Ah, oh. Bonjour, je m'appelle Stella Job, j'étais avocate. C'est faux. Ah bah d'accord, j'étais femme au foyer. Mon mari est mort récemment. Ah, tu n'es vraie madame. J'ai le cœur brisé, j'aimais tellement mon mari, c'était mon âme sœur. Ah ça c'est faux madame. D'accord, bon je m'en fous, il était insupportable, totalement coincé. Je comprends seulement maintenant à quel point notre amour était précieux. Non, vous mentez madame. Oh d'accord, je suis ravi d'être enfin débarrassé de lui. Mais je ne l'ai pas tué, il a fait une attaque. Ah, au moins vous mentez pas, c'est déjà bien. Moi ce sera pas la tôle pour vous. Je ferai un don de ma fortune au plus débile. Vous mentez madame, vous mentez. Bon j'avoue, j'ai épousé juste pour son fric. Mais c'est quoi ces gens? Bon madame, j'ai épousé juste pour son fric, c'est le paradis. Bah non, l'enfer, pardon, je suis... T'imagines? Je m'étais trompé de bouton. Je fais ah,
Bah, j'avais dit le paradis et les parties d'enfer. Ok, attention pour les Witchmen, c'est terminé. Ouverture du rideau rouge. Et c'est le grand schtroumpf. Très bien. Bon, du coup. Alors, tu ne peux en sauver qu'un. Bah, on va sauver lui. Tiens, on va changer un peu. Ensuite. Oh, on va sauver lui également. Très bien. On va sauver. Ouais, Pinocchio, c'est bon, là tu es en enfer. Ouais, je sais, il n'y a plus de respect pour Pinocchio. Mais bon, écoute, j'en ai marre de le voir. Niveau 36, terminé, attention. Ah, jolie queue de cheval, mec. Ok, rock'n'roll, c'est ça. Alors, marchez lentement au milieu des trottoirs. Et ça, c'est un crime, ça. C'est... Mais non, c'est bien. Il a le droit de faire ce qu'il veut, il a le droit de vivre. Ne laissez jamais les gens avec moins d'articles passés devant lui à la caisse. Oh, ça, c'est pas cool. T'arrives avec une bouteille de flotte. Devant toi, t'as un caddie, voire même deux, hein, rempli de plein de trucs qui vont prendre 1000 ans à être servis. Ça, c'est l'enfer, direct. Ne se sentez un peu trop à l'aise chez les autres. Alors, ça, c'est mort, direct. Alors, monsieur! Regardez pas avec ces yeux. Je suis vraiment désolé, hein. C'est pas moi, c'est la souris qui dirige. Voilà. Je prends bien le temps de le cuire, le pauvre. Ah, j'avais demandé bien cuire, hein, voilà. Voilà, niveau 37 terminé. Allez, on va en faire quelques-uns en plus. Et après, je pense que là, j'aurais fait déjà des bons jugements. Je suis flic. Je n'ai rien fait de mal. Mais parce que vous, ce n'est pas ce que disent les suspects que vous avez interrogés. Vos collègues ne sont pas du même avis. On va dire ça. Les collègues. Ah, on panique. Ah, peut-être. Oh, il est limite, hein. Ils mentent pour ne pas que j'obtienne ma promotion, ils sont jaloux de moi. On a retrouvé des instruments de torture dans notre bureau. Vous avez torturé les suspects, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. On a retrouvé des instruments de torture. C'est juste ma trousse de manicure. Les coupe-ongles n'ont jamais tué personne. Vos crimes ont été prouvés dans un rapport interne. Je me suis emporté, mais je suis gardien de la paix avant tout. Votre casier judiciaire me dit le contraire. 5 témoins vous ont vu torturer un innocent à travers le miroir dans le miroir centain de la salle d'interrogatoire. Ouais, c'est vrai ça. Ah, d'accord. Mais je n'ai torturé que ceux qui étaient coupables. C'est quand même un gardien de la paix, donc il mérite le paradis. Voilà, bon, après, ça dépend ce qu'il fait, hein. Voilà, encore un bon choix de fait. Enfin, j'espère, parce que là, une fois qu'ils y sont, ils y restent, hein. Tu vois, c'est pas en mode, ils y restent une semaine, c'est les vacances, tu vois. Un coup, on va en enfer, un coup au paradis, tu vois. Bonjour, monsieur. Très bien, excusez-moi, je m'occupe de vous, alors. Conduisez bourré. Oh là, ça, c'est pas bon, ça. Et tomber amoureux de la voix de son GPS. Bah, écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas, hein. C'était toujours lui qui applaudissait en premier au théâtre. Oh, bien ça. Ah, il a quand même fait une mauvaise action de ouf, hein. Conduire bourré. Alors on va dire qu'on lui a retiré son permis, mais pour le reste ça ira, voilà. Allez, du coup, c'est un petit dernier, les amis, et ça va être le niveau 40. Oh, attention. Roulement de tambour, ouverture du rideau, et c'est fini. Très bien, donc du coup, attention. Alors, remets ses âmes dans leur corps. Très bien. On dirait vraiment Robert Downey Jr. là en bas là. Ok, donc je vais le mettre là. Attends, je vais y aller, mais il est tout en bas. Il est en bas de l'écran. Ah voilà, c'est bon. J'arrivais pas à le mettre. On dirait qu'il faisait vraiment exprès, tu sais. Voilà. Et c'est bon. Yes. Et c'est terminé du coup pour le niveau 41. Et bah écoutez les amis, en tous les cas, je pense que là on a plutôt bien jugé, hein, pour ce jeu sur Judgment Day. J'espère que ça vous a plu. C'était pas bien, c'est les amis, à lâcher un maximum de likes pour aller au paradis. Sinon, ça sera l'enfer direct. Non, je déconne. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie vraiment les amis, c'est mon chapeur. Et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.